Dans ce tutoriel, nous allons voir comment télécharger l'épreuve de RallyMath et comment on remplit les champs. Si je clique sur le document, il s'ouvre dans le lecteur PDF du navigateur et on ne peut remplir les champs du formulaire. Vous voyez, quand je clique, il ne se passe rien. Donc on doit l'ouvrir dans un autre lecteur PDF. On choisit son lecteur PDF par défaut. Alors, souvent sur une machine Windows, c'est Acrobat Reader. Et ensuite, vous voyez, j'ai la possibilité de mettre la réponse. Vous voyez, j'écris la réponse dans la case. Il ne me reste plus qu'à enregistrer le document. Je le enregistre par exemple ici. Je mets le nom de l'école ou la classe. Et j'enregistre. Ensuite, il ne me reste plus qu'à l'envoyer avec la messagerie. On peut l'envoyer par exemple avec Thunderbird. Donc, je lance mon logiciel de messagerie qui va me permettre d'envoyer le message avec le document. Donc, je fais écrire. Donc, j'écris par exemple à pascal.leroux. Je mets la pièce jointe en faisant joindre. Donc, je cherche mon document qui est ici. Voilà. Et je mets le document avec mon destinataire et j'envoie.